Bonjour à tous, c'est Trigan, on se retrouve aujourd'hui avec Ion's End. Ion's End qui est sorti dans sa version française depuis à peu près un an maintenant, on va dire, à la louche. Et voilà que deux extensions, on les attendait hein, ces extensions, parce que c'est vrai que le jeu s'est très 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 vite enrichi dans sa version anglaise. Mais ça a été un petit peu long, on a trouvé, hein, à ce que ça se mette en place en version française. Et c'était un peu limite, hein, parce que le jeu a très très bien marché, mais on sait très bien que si on laisse retomber le soufflet, ça peut parfois effectivement être plus compliqué après pour fidéliser les joueurs. Une des meilleures façons de créer véritablement une licence phare dans le jeu de plateau, c'est de proposer du contenu de manière régulière. Et là, on a été quand même assez longtemps sans rien à se mettre sous la dent. Et du coup, les joueurs de Ion's End avaient écumé les différentes Némésis, les sorts, les reliques, ont commencé à connaître le jeu un petit peu par cœur et à tourner en rond avant que sortent ces extensions. La première, c'est celle-ci, elle est sortie cet été, c'est les profondeurs, voilà, ajoutant une Némésis, je vais vous la montrer. Alors elle est où? Elle est là, voilà, c'est la Mégère, chara-design pas top, on va dire, hein. C'est un petit peu le souci parfois avec ce jeu, c'est qu'il ne faut pas trop non plus être complètement accro au chara-design, parce que c'est inégal. En fait, je suis pas en train de vous dire que le chara-design de ce jeu est immonde. Ça dépend vraiment des illustrations. Vous voyez, par exemple, si on prend cette faux de désintégration, qui est un nouveau sort, l'illustration est on ne peut plus sympathique. Voilà. Donc ça dépend vraiment des cartes, en fait. Hein, ça dépend vraiment. Bon, là, la Mégère est pas extrêmement réussie, je trouve. Voilà. Après, je me suis battu contre elle. Je l'ai emporté dans une partie totalement épique où j'ai fini avec mes deux mages de la brèche à un point de vie chacun et la cité de Gravehold à un point de vie aussi. Donc vraiment, c'était hallucinant. Il est niveau difficulté 6, la Mégère. Donc elle est costaud. Et ça a été apporté par les profondeurs. Les profondeurs ne contient donc que une Némésis. Et puis, voilà que vient de sortir, en ce glorieux mois de septembre, une deuxième extension pour Ion's End, qui s'appelle les Sans Noms. Alors là, c'est encore un petit peu plus sympathique, puisqu'il y a deux nouvelles Némésis. Il y a le Seigneur de la Désolation, dont le chara-design est déjà nettement plus réussi, je trouve. Et il y a l'Égaré, qui a une bonne tête, lui aussi. J'aime bien son visuel. Voilà. Et les deux exploitent carrément. Vous savez que c'est une des particularités qui rend ce jeu si intéressant, c'est que chaque Némésis se joue de manière complètement différente. Et donc là, en fonction de qui on utilise, si c'est le Seigneur de la Désolation que voilà, on prend cette piste de corruption. Voilà, il y a un nouveau pion qui a été ajouté au jeu, et on la retourne pour prendre cette piste de position si on joue avec l'Égaré. Donc du coup, ils ont exploité les deux côtés, un pour chaque Némésis, c'est ingénieux, et ça, c'est ajouté dans cette petite boîte qui est là, les sans noms. Donc c'est vraiment, vraiment chouette, hein, vraiment chouette. Le combat que je vais vous proposer, moi, sera un combat contre le Seigneur de la Désolation. Hein, c'est lui qu'on va faire. Voilà. Évidemment, ces extensions ajoutent également... Je tiens à préciser au passage que si on prend les Némésis qu'on possédait dans le jeu de base, il y en avait 4, d'accord? Ces deux extensions, on ajoute 3. On passe de 4 à 7 Némésis, ce qui veut dire qu'on est pratiquement à un stade où on double la quantité de grands méchants, de boss, de Némésis à tuer. Vous voyez à quel point ces extensions étaient nécessaires pour enrichir le jeu. Et ce n'est pas qu'une question de Némésis. Il y a également, du coup, une tripotée de nouveaux personnages dont certains sont extrêmement classe et extrêmement puissants. Je pense à Zanna, par exemple. Son pouvoir est extrêmement puissant, le glyphe du Sanctum, puisqu'il rend à Gravehold 7 points de vie. C'est absolument énorme. Quand on est dans une partie où on sait que Gravehold est en danger, risque d'être en danger, je trouve que cette Zanna est vraiment très très forte, hein. Mage de la brèche renégate. Il y a Nim également, qui m'a permis de gagner la partie contre la Mégère, puisque sa capacité, en fait, c'est de défausser la première carte de la pioche Némésis, carrément. Et s'il s'agit d'une carte attaque, défausser une carte supplémentaire de la pioche Némésis. Eh bien, en fait, j'ai gagné à l'arrache contre la Mégère en épuisant son deck. Car il y a deux façons, il ne faut pas l'oublier ça, de gagner dans Ion's End, soit en réduisant les points de vie du boss à zéro, soit en épuisant son deck.
Voilà, Malastar, qui est ajouté par la toute dernière extension, les 100 noms. Alors, dans les 100 noms, il n'y a que un nouveau mage de la brèche, par contre. Il y a Reeve, qui est extrêmement puissante également. Voilà. Et ensuite, on va retomber sur des. Il y avait déjà pas mal de mages de la brèche hein, dans les extensions, dans le jeu de base. Hein. Donc, voilà. Donc c'est vraiment chouette parce qu'on va pouvoir renouveler tout ça. Évidemment, dans la partie, je vais vous proposer des choses qu'on n'avait pas jusqu'ici, hein, bien sûr. Et je vous parlerai peut-être aussi un petit coup de la version. De la version numérique du jeu, il est probable d'ailleurs que je termine que je termine cette vidéo, que je termine cette partie de Ion's End en faisant un montage. Je vous montrerai ce que ça donne dans la version digitale, dans la version numérique du jeu qui est sortie il y a quelque temps, qui est pas mal fichu, on va pas se mentir, qui est pas mal fichu, mais qui n'est pas à la hauteur, enfin qui ne distille pas le même plaisir que la version boîte, mais ça. On peut dire ça, je pense, de tous les jeux, hein, pratiquement, sans exception, hein, c'est clair. Il va sans dire que ces deux extensions s'accompagnent, et ça c'était très attendu aussi, d'une ribambelle de nouveaux sorts, de nouveaux. Vous voyez un petit peu maintenant, voilà la pile des tirages aléatoires. Quand on démarre une partie, elle s'est considérablement accrue. La quantité de sorts, et ça c'est les sorts. Vous voyez, la quantité de sorts, voilà. Voilà. C'était ça qui nous manquait dans Ion's End. Alors, regarde ça, j'arrive même pas à aller au bout. Ça, ce sont les sorts. Juste les sorts qu'il y a désormais dans le jeu. Je rappelle qu'on tourne avec 4 sorts par partie, donc on pioche pour avoir des sorts. Moi, je vais tricher un petit peu au niveau de la pioche. Je vais choisir mes sorts pour pouvoir vous montrer tout simplement les nouveaux sorts qu'il y a, en essayant d'éviter de mettre que des sorts, évidemment, qui coûtent 7, sinon on s'en sortira pas. Mais voilà, vous voyez des très belles cartes comme celle-ci, un hein, flambé, Radiance, la faux de désintégration qui est très impressionnante. Donc il y a plein de nouveaux sorts, et voilà qui évidemment permet de faire varier le jeu de manière extrêmement intéressante. Il y a une autre chose aussi, c'est que dans le jeu de base, je trouvais qu'il y avait vraiment trop peu de reliques. Alors il n'y en a toujours pas énormément, hein, mais regardez, hop là, l'offre de reliques s'est accrue de manière intéressante. Je sais plus combien il y en avait dans le jeu de base. Dans le jeu de base, je crois qu'on tournait à. Attendez, je vais vous dire ça. 30 cartes reliques. Oui, mais c'était réparti en combien? Combien de différentes? Je ne sais pas. 30, ouais. Non, ils mettent le nombre total. Donc, 30 cartes reliques. Là, évidemment, on va en avoir beaucoup plus. De toute façon, c'est très simple, hein. S'ils disent qu'on en avait 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ça, c'est ce qu'on avait avec la boîte de base. D'accord? Voilà ce qu'on ajoute avec les deux extensions. Vous voyez qu'il y a quand même une augmentation significative. Ce n'est pas le double, hein, ce n'est pas le double, mais enfin, il y a quand même un bon boost du nombre de cartes proposées, par exemple, dans les reliques. Voilà. Et ça, c'était une des choses qui m'agaçait le plus, enfin, qui m'agaçait, qui m'a vite, laissé en état d'insatisfaction, c'est qu'il y avait trop peu de reliques. En plus, je n'étais pas spécialement fan des reliques proposées, à part quelques-unes intéressantes. Les autres, je ne les trouvais pas forcément terribles. Donc là, il y a encore beaucoup à faire sur Ion's End. On sait que dans la version anglaise, il y a un Ion's End Legacy qui est sorti avec une espèce de méga campagne solo qui déverrouille au fur et à mesure des capacités chez les mages de la brèche. Tout ça doit être dantesque comme jeu. C'est pas encore traduit en français. Étant donné l'assaut, je dirais, des extensions récemment dans l'univers de Ion's End, ça laisse quand même présager de bonnes choses quant à la suite de la localisation de ce jeu. Bon, si jamais je vois qu'ils annoncent un jour officiellement qu'il n'y aura jamais de traduction pour le Ion's End Legacy, dans ce cas-là, j'essaierai de le récupérer en version anglaise. Comme j'ai commencé à collectionner ce jeu en version française, je préférerais continuer comme ça, en fait. Alors, pour cette partie, eh bien, nous allons affronter lui, le Seigneur de la Désolation. Voilà. Hein, il a un nom assez intéressant. Son background est simple. Voilà, il est là. Le seigneur de la désolation fut le premier des 100 noms à toucher le sol du monde qui fut. D'un geste,
La grande cité de Carhaix fut transformée en une montagne de cristal vert, ses habitants piégés à l'intérieur. Les villages côtiers de Mlarc furent les suivants à tomber, les eaux chaudes venant s'écraser contre les figures pétrifiées de ceux qui furent pris au dépourvu. Même la terre se transforme en verre sous ses pas, se brisant en des formes grossières et inutiles. L'ancien de la première tribu demanda à son peuple de lui faire une offrande, croyant qu'il s'agissait d'un messager divin du dieu qu'il vénérait. De ceux qui plièrent le genou devant lui, aucun ne fut épargné. C'est ainsi qu'on le nomma Seigneur de la Désolation, car la ruine de notre peuple le suivit comme une sorte de peste, sans merci. Donc c'est quand même quelque chose. Il est de difficulté 4. Créer une réserve supplémentaire avec un nombre de jades impures, parce que ça fait partie de son gameplay, il donne des jades impures aux joueurs, égal au nombre de joueurs plus 4. Donc ça sera 6. Placer la piste de corruption à côté de ce plateau et placer le jeton Seigneur de la Désolation sur la première case de la piste. Voilà, donc c'est lui qu'on va affronter. Et quand il se déchaîne, il nous fait tout simplement, il fait gagner à un joueur un jade impur. Voilà. Et quand il y a, quand il manque de jade impur dans la réserve, alors à ce moment-là, il se produit des choses catastrophiques. Voilà, donc on va faire une petite partie. Ça sera ma première partie contre le Seigneur de la Désolation, donc on va voir ce que ça donne. Alors donc on va démarrer, voilà, la mise en place est faite, hein. Donc on affronte ici notre Seigneur de la Corruption. Je vais peut-être mettre ça en face de la fenêtre, j'ai l'impression que voilà, ça fait un espèce de contre-jour sur les cartes, qui fait qu'on les voit moins. Voilà, là, on le voit bien. Il a sa piste de corruption à côté, et cet enfoiré-là va régulièrement chercher à nous refiler des jades impures. Alors, ces jades impures sont des gemmes qui sont spéciales, parce que soit, en fait, on gagne deux cristaux et on subit un dégât, on voit bien qu'elles sont corrompues, ou alors, il faut dépenser deux cristaux pour détruire cette carte. Si vous détruisez cette carte par un autre moyen que par du cristal, subissez un dégât. Donc vraiment, c'est un truc persistant. Et il y en a le nombre de joueurs plus 4. Donc nous, on est avec 6 jades impures. Si au début du tour de la Némésis, quand c'est à la Némésis de jouer, si jamais, avant de faire quoi que ce soit d'autre, on vérifie la quantité de jades impures. Si jamais il reste une seule carte de jade impure dans le tas, on avance ici le marqueur du seigneur de une case. Si jamais il reste 0 carte de jade impure, alors à ce moment-là, on avance carrément de 2 cases. Donc c'est assez dangereux, évidemment, donc on peut les remettre assez facilement, puisqu'il suffit de dépenser 2 cristaux pour les remettre là-bas. Mais enfin, je suppose bien qu'il va y avoir des moments où ça va être tendu. Il n'y a pas énormément de cases, ce qui veut dire que quand on est rendu ici, les joueurs ont perdu la partie. Hein. Donc c'est quand même assez sauvage, hein, c'est assez féroce, et il y a des petits effets comme ça régulièrement, toutes les deux cases. Donc il va falloir évidemment être très très attentif à cette affaire-là. Nous avons embarqué, parce que j'ai fait exprès de faire un setup avec des nouveautés amenées par les extensions, bien sûr, comme ça c'est plus intéressant pour vous, et puis pour moi aussi d'ailleurs, comme ça ça me permet de découvrir les différentes nouveautés. On a donc Rive ici, qui est une véritable Amazone, une vraie guerrière. Elle a beau avoir perdu une main, comme vous pouvez le voir ici, elle a perdu une main dans le combat, hein. c'est une enragée, elle est blessée, on le voit bien ici aussi, hein. Elle a un œil ici, elle a une vilaine cicatrice sur un œil ici, je la trouve sublime. Voilà, c'est une mage de la brèche d'élite, hein, d'élite, véritablement. Et son pouvoir, c'est la lame de répression qui s'active pendant sa phase principale. Elle inflige, ça coûte que 4, hein, donc 4 charges, c'est assez rapide à charger. Et ça inflige 5 dégâts à un serviteur, puis 3 dégâts à un autre serviteur. C'est quand même énorme. Par contre, elle ne peut pas cibler la Némésis avec. Hein. Donc il y a une petite limite quand même à ce pouvoir. Sa carte signature, c'est un éclat d'obsidienne. Donc elle gagne un cristal. Elle peut subir un dégât au moment où elle se sert de ça. Et si elle le fait, elle gagne 2 cristaux supplémentaires. Et dans ce cas-là, elle se retrouve avec 3 cristaux. Donc ça peut être un booster de gemmes, un booster de cristal, de ressources, mais attention, parce que c'est un dégât
quand on s'en sert. Donc c'est à prendre évidemment avec des pincettes. L'autre personnage s'appelle Malastar, hein, il a un petit peu, il a une fiole à la main, il examine de très très près un cristal, c'est-à-dire un expert, il a presque un petit côté un petit peu botaniste. C'est un mentor, voilà, c'est un mage de la brèche mentor. Sa capacité, elle coûte très cher, comme vous pouvez le voir, 6 charges, donc c'est énorme. Par contre, le gain est assez important, puisque ça s'appelle le don de l'éther, et vous gagnez un sort de n'importe quelle pile de la réserve. Vous pouvez préparer ce sort sur une brèche ouverte de n'importe quel joueur, directement. Donc là, ça veut dire qu'il peut aller acheter les sorts, sans en payer le coût, à partir du moment où il joue cette capacité. Et vous vous doutez bien que, vu le coût en charge, il y a des moyens, évidemment, pour lui, de gagner des charges plus vite, et donc il peut potentiellement avoir beaucoup de sorts sans les payer, puisque sa carte signature s'appelle Immolation. Voilà, c'est cette carte-là. Lorsque préparé, c'est un sort, hein, donc sa carte signature, c'est un sort. Lorsque préparé, si vous subissez des dégâts, gagnez une charge. Et lancez le sort pour infliger un dégât. Donc en fait, ce sort d'immolation n'est pas extrêmement intéressant au niveau des dégâts, puisque ça fait que un dégât. Par contre, ce que je trouve extrêmement intéressant tant qu'il est préparé, c'est de gagner une charge quand il subit des dégâts. À chaque fois qu'il subit des dégâts, il gagne une charge. Donc ça, potentiellement, ça veut dire qu'il peut finalement charger, sans avoir à dépenser de cristaux, il peut charger sa capacité juste en prenant des dégâts. Et dans ce cas-là, voilà, ça peut être intéressant. Maintenant, on n'a pas non plus intérêt à ce que nos personnages prennent trop de dégâts dans la figure, hein. C'est pas non plus notre objectif. Il a un petit inconvénient. Peut-être a-t-il trop manipulé ses fioles par le passé, hein. Mais il n'a pas de brèche ouverte ici, hein. Il a la brèche, on va dire la première brèche, est pétée, elle est condamnée, elle est bousillée. Donc il n'y a pas accès. Donc ça, c'est évidemment un petit peu embêtant. Et on remarquera, il a une bizarrerie dans son setup. C'est que la deuxième brèche, la brèche de niveau 2, peut être ouverte pour 5 cristaux. Et si on va plus loin, on s'aperçoit que la brèche de niveau 3, elle, peut être ouverte pour seulement 3 cristaux. Donc il a une disposition qui est un petit peu étrange. On sent que c'est quelqu'un qui a fait des manipulations de base assez intéressantes. Et puis je vous ai fait un petit setup aussi au niveau des sorts. J'ai pris des sorts, j'ai essayé de varier un petit peu les coûts quand même, pour pas me retrouver que avec des sorts qui coûtent très cher, parce que sinon c'est quand même embêtant. Donc tous les sorts qui sont là, on a ici flambé, voilà, qui pour être pleinement fonctionnel, nécessite qu'il y ait plein d'autres cartes flambées qui soient prêtes. Le vol d'essence, qui permet de regagner une vie. Je me suis dit que ça pouvait être... c'est pas si souvent que ça dans ce jeu qu'on a des moyens de regagner des vies, donc la faux de désintégration, que je trouve assez rigolote, qui peut être compensée par le vol d'essence, parce qu'elle coûte une vie quand on l'utilise. Et puis il y a le brasier monstrueux, qui fait des dégâts assez énormes. Voilà. Pour ce qui est des reliques, j'ai pris deux reliques nouvelles, le marteau en fusion. Je trouvais que ça allait bien avec le personnage, gagner une charge, vous pouvez détruire une carte de votre main ou au-dessus de la défausse de n'importe quel joueur, donc en plus ça fait du filtre de deck. Et puis celle-ci est un peu ambivalente, dynamo de vigueur, on peut subir un dégât pour qu'un joueur pioche deux cartes, bon, il y a un dégât, c'est un peu chiant. Ou alors on détruit cette carte carrément, et un joueur gagne 2 points de vie et une charge. Donc ça peut aussi être un lifesaver, hein. Ça peut éventuellement vous éviter une mort certaine, donc ça peut être intéressant. Au niveau des gemmes, j'ai pris une gemme des plus basiques, le jade, hein, celle qui coûte 2, qui était là depuis le début. Et puis deux gemmes nouvelles qui ont été amenées par les deux extensions, l'agate sansu. Lorsque vous gagnez cette carte, vous gagnez une charge, donc ça va aussi très très bien avec le jeu évidemment de Malastar. Et puis autrement, elle rapporte 2, comme une topaze, comme une jade, comme une simple jade. Et ensuite, on a ici une topaze de bannissement. On gagne 2 cristaux, vous pouvez placer une carte de votre main sur votre pioche. Si vous le faites, gagnez 2 cristaux supplémentaires. C'est assez énorme, parce que ça veut dire que vous vous défaussez d'un malheureux cristal qui est dans votre main, vous le remettez sur votre deck, et vous empochez alors 4 cristaux, ce qui peut être pratique pour acheter des cartes qui coûtent cher. Voilà, hein, donc quasiment toutes ces cartes qui sont là, en dehors de la carte de Jade qui se trouve ici, sont des cartes nouvelles amenées par les extensions. Je trouvais que c'était plus intéressant comme ça. Voilà, c'est tout pour les petites explications préliminaires. On va maintenant pouvoir se jeter à corps perdu dans la partie. Le seigneur de la désolation est quand même une némésis qui a 70 points de vie, donc il est quand même extrêmement costaud.
On va essayer de faire tout ce qu'on peut contre lui, même si il est bien évident que nos chances de réussite, ça reste toujours assez compromis dans ce jeu-là. Hein. C'est dur, c'est un jeu qui est difficile, et parfois les parties peuvent véritablement tourner en notre défaveur assez rapidement. Donc on va voir comment ça va tourner dans cette partie. Bien, donc allons-y. C'est parti. C'est parti. Turn Order, ça c'est, vous savez, la grosse originalité de ce jeu. Ah, c'est Malastar qui démarre. Alors Malastar, ça va être relativement simple. Sa main de départ, c'est ça. Donc, pour 3 cristaux, il va tout simplement ouvrir cette brèche. Hop ! Voilà. Brèche de niveau 3, ouverte. Ça, c'est pour 3 cristaux. Ce cristal-là ne nous sera pas utile, donc contrairement à ce que certains m'ont déjà dit en me disant que je n'ai pas le droit de défausser du cristal, etc., c'est faux. On n'a pas le droit de défausser à la fin d'une main, on n'a pas le droit de défausser des sorts ou des reliques si on veut les mettre à la défausse, mais le cristal, je peux très bien décider d'engager 4 cristaux et ensuite d'en dépenser 3 pour ouvrir cette brèche, et le reste va à la défausse, voilà. C'est punaise, c'est dingue quand même. Des fois, je veux bien que je fais des erreurs de temps en temps, mais des fois, franchement, il y a des personnes qui sont très très insistantes, très lourdement, alors qu'elles ont tort, et au bout d'un moment, ça commence à être agaçant. Donc, je vais jouer cette simulation, comme ça, du coup, elle peut être préparée. Voilà, donc je prépare le terrain, en fait, pour pouvoir éventuellement donc accumuler les charges. Et ça sera tout pour... Ça sera tout pour notre personnage de Malastar. Il a ses 5 autres cartes de sa pioche qui sont là. Donc sa pioche, elle est vraiment... c'est d'une simplicité. Il a quasiment que des cristaux, lui, au départ. Il a aucun sort d'étincelle. Ce qui est assez étonnant. Hein. Véritablement, on voit qu'il est... Il est, lui, dans la recherche. Hein. Il n'est pas véritablement dans l'attaque très agressive. Ce qui n'est évidemment pas le cas de de sa compagne d'aujourd'hui, Riv, qui, elle, est plutôt brutale, on va dire. Voilà. Allez. C'est la Némésis qui s'active. Donc, le seigneur de la désolation. Allez, on attaque. Il va nous faire un Viride grimpant. C'est une carte du seigneur de la désolation. On peut éventuellement la défausser, mais pour ça, il faut 7 cristaux, ce qui, en début de partie, risque d'être extrêmement compliqué. Puissance 3, donc un joueur gagne un jade impur et le place dans sa main. Avancer d'une case sur la piste de corruption. C'est méchant, ça. Hein. Un joueur gagne un jade impur et le place dans sa main. Et ensuite, on avance d'une case sur la piste de corruption. Donc ça va rester là. On va mettre 3 jetons de pouvoir dessus. Et si on arrive au terme de des trois points de pouvoir, ce Viride grimpant se déclenchera. Next. C'est de nouveau la Némésis. Donc on va retirer une puissance ici et repiocher une carte. Massacre. Déchaîné et Greyhold subit 3 dégâts. Donc en se déchaînant, le pouvoir du déchaînement, c'est qu'un joueur gagne un jade impur. Alors, par contre, il faut que je voie un truc. Lorsqu'un jade impur est détruit, lorsqu'un joueur doit gagner un jade impur et que cette réserve est vide, le joueur subit un dégât à la place. Ah mince, j'ai une petite hésitation. Quand on gagne un jade impur, est-ce que le joueur doit le mettre dans sa main ou dans sa défausse? Lorsqu'un jade impur est détruit... Ah mince, j'ai une hésitation pour le coup. Je ne sais pas où mettre ce jade impur. On le gagne. Moi je pense que c'est dans la défausse que ça va. On le gagne comme on peut gagner une autre carte.
Parce que ici, par exemple, c'est bien indiqué que l'effet qui s'applique ici, c'est un joueur gagne un jade impur et le place dans sa main. On le précise. Et le place dans sa main. Alors que là, ce n'est pas précisé. Voilà. Sinon, ça serait marqué gagne un jade impur et le place dans sa main. À la rigueur, ça rend la chose encore un petit peu plus compliquée, d'une certaine manière. Ouais. Donc, du coup, on va prendre un jade impur. Voilà. Et ça va être la miss qui va le gagner. Ça craint. Et ensuite, Greyhold subit 3 dégâts. Eh ben, dis donc. Commence fort. Très fort. Ensuite, dans le turn order, on va donc avoir Reeve qui va jouer. Alors, sa carte signature, c'est l'éclat d'obsidienne, mais on va pas l'utiliser pour l'instant. J'ai pas envie qu'elle perde des vies comme ça. Donc, on va se contenter, en fait, de jouer 3 cristaux. Voilà, donc on gagne 3. Avec 3, je peux ouvrir une deuxième brèche ici directement. Donc on va l'ouvrir. Hop. Voilà, donc la deuxième brèche, la brèche de niveau 2, est ouverte. À chaque fois, ça bouge tout, ça m'énerve. J'aimerais bien, ouais. J'aurais bien aimé, en fait, dans une version, je sais pas, remaniée, qu'ils pensent à faire des encoches sur les cartons qui soient un petit peu plus pratiques. Moi, j'aime bien que mes brèches soient bien alignées. C'est vrai que dès qu'on touche quelque chose là-dedans, ça part, ça glisse. Voilà, ça, c'est un petit défaut. Elle a 2 étincelles, donc le fait d'avoir ouvert cette brèche va lui permettre de poser 2 étincelles sur ses brèches. Voilà, donc elle est prête à faire ses premiers dégâts, on va dire, même si ce sont des dégâts extrêmement, extrêmement faibles, naturellement. Voilà. Et c'est la fin du tour de Reeve. Hop. Donc les 5 cartes suivantes. Alors je sais plus ce qu'elle a dans sa pioche. Ouais, c'est 3 cristaux et 2 étincelles. On voit tout de suite, vous voyez, elle a quand même un total de 4 étincelles au démarrage. On voit que c'est une guerrière, on voit que c'est une combattante. Elle est faite pour aller au charbon, elle, hein, c'est clair. Hop. Ensuite, c'est à Malastar de jouer. Alors, Malastar, pour l'instant, il ne va pas lancer son sort d'immolation, hein, même s'il crée un dégât de plus. Il va le laisser là. Voilà, prêt à intervenir. Donc, il a 5 charges. Donc, il va utiliser les 5 pour récupérer 5 cristaux. Et avec 5 cristaux, il va aller chercher une topaze de bannissement. Voilà. Et il termine son tour comme ça, de manière assez pacifique. Mais enfin, je pense que quand lui, il va se mettre vraiment en action, il va pas mal décaniller, je pense, quand il va... Je pense que ça va charcler quand il va s'y mettre véritablement, lui. Et enfin, logiquement, il reste évidemment Reeve, qui n'a pas joué son deuxième tour. Donc Reeve, bah écoutez, c'est pas compliqué, elle a 2 sorts qui sont préparés, donc elle va les lancer tout de suite. 2 étincelles, poum, poum. Les 2 dirigés sur la Némésis, qui perd 2 vies et qui se retrouve à 68. Voilà. Ensuite, alors comme elle a 2 autres étincelles, elle va les préparer. Elle prépare ses sorts sur ses brèches. Voilà. Et elle a 3 cristaux. Alors avec ces 3 cristaux, elle va acheter une agate sans su. Lorsque vous gagnez cette carte, gagnez une charge. Hop. Ça, c'est fait. Une charge. Voilà. Donc, elle n'a plus de... Ah bah d'ailleurs, lui non plus, il n'en avait plus, je suis bête. Donc, hop, on retourne le jeu. Rappelez-vous, hein, c'est cette grande particularité de ce jeu-là. Une de ses originalités intéressantes, c'est que c'est au joueur un petit peu de décider... comment il met ses cartes dans la défausse, parce que la défausse, contrairement à 99,9% des deck building, contrairement aux autres deck building, dans ce jeu-là, il n'y a pas de mélange de défausse pour recréer la pioche, ce qui change évidemment énormément de choses sur le plan stratégique. Donc là, pareil, on va retourner le paquet de Reeve.
et elle va avoir bien sûr ce jade impur entre les mains. Et 5 cartes. Voilà. Le tour est terminé. Les choses se mettent en place. On a déjà un jade impur qui a été. Qui nous a été. Il est déjà un peu contaminé. On va essayer de se débarrasser de cette impureté assez vite. Ça ne va pas être trop difficile, je pense, parce que là, Reeve l'a déjà entre les mains. J'aurais bien aimé éviter le viride grimpant là, parce que là, si vous voulez, c'est directement avancer d'une case sur le plateau, c'est pas cool. Hein. C'est pas cool du tout même. Allez, deuxième tour, c'est parti. C'est la Némésis. Ça commence à craindre. Allez, on pioche une carte. Ciel tissé. Alors, pour défausser cette carte, il faut défausser 3 cartes de sa main. Il y a une puissance 2. Si on ne fait pas ça, si ce pouvoir se déclenche, on déchaîne la Némésis et un joueur subit 4 dégâts. Hop, puissance 2. Voilà. Ensuite, c'est au tour donc de Malastar. Alors, Malastar. Je pense que ce que va faire Malastar, en fait, c'est que... ce que va faire Malastar, c'est qu'il va jouer sa topaze de bannissement. Il va prendre un de ses cristaux, il va le mettre au sommet de sa pioche. Comme ça, il gagne 2 de plus. Et ça génère 4 cristaux. 4 cristaux plus 3. Ça fait 7 cristaux. Et en dépensant 7 cristaux, il élimine le viride grimpant. Voilà. Ça fait 7. Et je remets cette topaze en bas, puisqu'elle est assez puissante, donc je la mets en bas dans la défausse, pour que quand on retournera tout à l'heure, on la retrouve immédiatement. Voilà, donc il reste le ciel tissé ici, on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ce ciel tissé, qui nous embête. 1, 2, 3, 4, 5, hop, voilà sa nouvelle main, c'est que du cristal. Ok. Ensuite, dans le turn order, c'est le tour de Reeve. Reeve, elle, va lancer ses 2 étincelles. Voilà, 2 étincelles préparées. En plein dans la tronche du seigneur de la désolation, qui repère 2 vies. Hop. Voilà. En main, elle a ceci. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va dépenser 2 cristaux pour détruire ce jade. Hop, on le remet là-bas. Détruit. Elle va préparer une étincelle. Et puis son éclat d'obsidienne... Là, je m'aperçois que j'ai oublié de me mettre mes vies, moi. N'importe quoi. Donc, 10 vies. Hop. Et 10 vies pour Malastar. J'hésite, en fait, à utiliser son éclat d'obsidienne avec son dégât, là, pour gagner 2 de plus. Et aller essayer de me pécho une petite... J'aimerais bien booster son... Parce qu'il y a des serviteurs qui vont sortir à un moment donné. J'aimerais bien qu'elles soient prêtes à leur sauter à la gueule. Donc, je pense qu'elle va dépenser une vie. Je sais qu'il y aura potentiellement des moyens d'en gagner un petit peu des vies avec les pouvoirs qui sont présents sur le board. Voilà. Donc là, du coup, elle génère 3 gemmes juste avec son éclat d'obsidienne, mais ça lui a coûté une vie quand même. Ça lui a coûté cher. Hein. Donc, ça lui permet d'acquérir une agate sanguine, sangsue. Et quand elle la prend, quand elle la gagne, elle gagne une charge.
C'est ça qui m'intéresse. Hop. Gagner une charge. Tout en gagnant une carte, ce qui est quand même intéressant. Ensuite, on va remettre ça dans cet ordre-là. Voilà. Et sa prochaine main, 1, 2, 3, 4, 5, sera constituée de cette manière. Ok. C'est de nouveau le tour de la Némésis. Le seigneur de la désolation a des forces agissantes. Donc ici, on enlève un pouvoir et on pioche une carte. Ah ! C'est une créature, c'est un serviteur. Un serviteur du seigneur de la désolation, qui plus est. C'est un cracheur de pointe. Regardez-moi ça un peu la tronche. Cracheur de pointe. Il a un effet durable. Gravehold subit 2 dégâts. Un joueur gagne un jade impur et le place au-dessus de sa pioche. Voilà son effet durable. Lui, il va falloir quand même l'éliminer au plus vite. C'est certain. Il a pile 5 vies. Ce qui est assez intéressant parce que... vous voyez sa capacité. Hein, 5 dégâts à un serviteur et 3 dégâts à un autre serviteur. Mais s'il n'y en a pas d'autres, c'est pas grave. Alors, c'est à Malastar de jouer... Et la star, il va faire un truc tout bête, tout simple. C'est qu'il va défausser 3 cristaux. En fait, il va défausser 3 cartes de sa main pour supprimer le ciel tissé. Défausser 3 cartes de votre main. Et les 2 qui lui restent vont lui permettre d'acheter une pierre de jade qui, elle, n'est pas corrompue. Voilà. Et c'est tout pour son tour. Il lui reste une carte là-dedans. Donc on va retourner sa défausse et on va en reprendre 4. 1, 2, 3, 4. Hop. Il n'y a pas encore grand chose en main lui. Hein. Il va falloir enfin, booster un petit peu tout ça. Enfin, c'est au tour de Reeve. Alors Reeve, je pense pas que ça soit si intéressant que ça de faire un dégât au cracheur de pointe. Je pense qu'elle va utiliser son étincelle pour faire une blessure au seigneur de la désolation. Ensuite, elle a ça. Donc elle va replacer une étincelle. Et ensuite, je serais assez tenté. Alors avec ça, elle gagne 2, 3, 4, 5. 5. Pour 4, elle prend 2 charges. De charge. Et comme elle est dans sa phase principale, je l'active. Je l'active et j'inflige 5 blessures à ce serviteur qui crève. Voilà. Ça, c'est une affaire rondement menée. Le seul défaut pour le moment, ouais, c'est qu'on a un petit peu du mal à acquérir des sorts. Hein. Il nous oblige en fait à réagir, à dépenser beaucoup en fait. Pour supprimer des serviteurs, pour supprimer des pouvoirs, on s'en sort en attendant, parce que ce qui est beau, c'est que l'air de rien, lui, il n'a pas eu le temps d'agir alors qu'il est extrêmement pénible. Lui, il a été défaussé, donc pour l'instant, on peut dire que c'est plutôt pas trop mal. Hein. Voilà, donc elle a terminé son tour. Et elle n'a plus de carte à piocher, donc je retourne sa défausse. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Voilà, le tour est terminé. Le tour de jeu est terminé. On va remélanger les cartes du turn order. Pour l'instant, ça donne la situation donne l'impression d'être un petit peu sous contrôle, mais attention, parce que je me sens un petit peu pris dans un étau, dans le sens où je n'ai pas encore vraiment acheté de sort intéressant ni quoi que ce soit. Je ne fais que réagir, je dirais, au compte-gouttes, aux menaces que la Némésis me balance à la tronche. Or, il ne faut pas oublier que plus on avance dans le deck de la Némésis, plus on franchit les étapes. C'est-à-dire que pour l'instant, on est encore sur des cartes de niveau 1,
sur des menaces de niveau 1. Mais dans le deck est construit avec menaces de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3 tout en dessous. Donc plus on avance, plus ce qui va sortir d'ici va être féroce. Donc il faut quand même qu'on soit assez vigilant par rapport à ça, parce que ça pourrait très très vite se retourner contre nous. Hein. Le turn order va faire jouer la Némésis en premier. Il n'y a plus de cartes ici, donc ça c'est cool. Et c'est... Oulala, c'est un seigneur du fléau ici qui fait son apparition. Avec un effet durable qui est déchaîné. Hein, il déchaîne la Némésis. Il a 6 points de vie. Alors c'est presque dommage d'avoir utilisé la capacité héroïque de Reeve juste avant. Il aurait pu en mettre pas mal dans les dents. Elle aurait pu lui en mettre pas mal dans les dents, mais c'est comme ça. Turn order. Hop, c'est Malastar. Malastar, il va peut-être falloir qu'il commence à se fâcher un peu, lui, parce que... Alors... ça peut valoir... Est-ce que ça vaut le coup? S'il fait ça, il fait 2. S'il fait 2 et qu'il sacrifie un cristal, il va monter à 4, 5, 6, 7. Il peut monter comme ça jusqu'à 7. Ouais, ça vaut le coup quand même. Ça vaut le coup quand même. Et s'il le fait pas, ça fait quoi? Ça fait 2, 3, 4, 5, 6. Non, 7, ça m'intéresse davantage. Donc je vais utiliser la topaze. Je vais remettre en haut de ma pile de pioche un cristal. Donc ça me fait 4. 4 et 3, 7. Ça va permettre à Malastar d'acheter ça. La faux de désintégration. C'est un peu brutal, mais il faut qu'on commence à marquer des dégâts importants. On ne peut pas rester comme ça sans récupérer des objets, des sorts, des machins. 1, 2, 3, 4, 5. Qui vont nous permettre de faire mal. Là, vous voyez, il a quasiment que des cristaux, lui, hein, dans son jeu au démarrage. Ce qui fait que c'est pas très très féroce, quoi. Alors, c'est de nouveau à lui de jouer. Ok. 5 pour ouvrir. Donc, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Alors, voilà ce qu'il va faire. Il va jouer les 6 cristaux pour gagner, pour acheter 2 agates sans su. Le fait d'acquérir ces 2 agates lui confère 2 charges. Parce que c'est très très bien pour lui aussi, hein, cette agate sans su de ce point de vue-là. Ça lui permet effectivement de charger sa capacité héroïque. Et on sait qu'elle est très puissante, cette capacité. Donc en plus, les agates sans su vont lui donner un pouvoir plus grand de... Alors par contre, je vais avoir 2 agates sans su coup sur coup. Je pense que faut pas trop que je... Voilà, donc la jade, je vais la mettre plutôt par-dessus, histoire de... Enfin, je vais la mettre comme ceci. Hop. Histoire de ne pas tout mettre mes œufs dans le même panier. À la fin de son tour, il a 2 cartes. Hop, on retourne la défausse. 3, 4, 5. Voilà, et il retrouve évidemment ce qu'il venait d'acheter. Qui va se mettre en place ici. Ensuite, c'est au tour de Reeve. Alors Reeve, on est un peu embêté là, Reeve, parce que... Ouais. Bon, alors pour une, elle va faire une étincelle qui est préparée pour faire une blessure au seigneur du fléau qui est ici. Ensuite, elle va préparer 2 étincelles sur ses brèches. Ensuite, ça lui rapporte 2. 2 et un 3. 3 et un 4. Pour 4, elle va acheter une dynamo de vigueur. Voilà. Et les cartes, je vais les remettre dans cet ordre-là. Voilà. 35 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. 'est de nouveau son tour. Donc elle va utiliser ses 2 étincelles contre le seigneur du fléau qui passe à 3 vies.
elle arrive à l'affaiblir pas trop mal quand même. Puis, elle va repréparer une étincelle. Elle va prendre ça, le vol d'essence. Il est, je vous dis, grand temps qu'on commence à s'équiper un petit peu, si je puis dire. Je vais mettre la 400 en bas. J'en ai besoin pour acheter des cartes. Ok, et puis sa nouvelle main. Alors, il reste ici une carte. C'est un cristal. Hop, la défausse. 2, 3, 4, 5. Parce que ça va commencer à devenir intéressant petit à petit, mais là on sait que c'est la Némésis, donc ça fait mal. Donc le seigneur du fléau fait se déchaîner la Némésis. Donc en se déchaînant, eh bien, il y a un joueur qui va gagner une fameuse jade impure. Ça va être lui qui va la prendre, Malastar. Ensuite, une deuxième carte, Vitrifié. C'est une attaque du Seigneur de la Désolation. Les joueurs gagnent collectivement deux jades impurs et les placent dans leurs mains. Waouh. Deux jades impurs. Attention, 1, 2, il en reste ici 3. Et on les gagne dans notre main. Voilà. Bon, ce tour s'arrête ainsi. Ah, je sens que ça va monter en puissance. Ouais, je sens que ça va devenir difficile, évidemment. Ça, on pouvait s'en douter, hein, mais ça va devenir difficile. Ça paraît évident. Il va falloir que j'ouvre des brèches aussi. J'aimerais bien notamment que Reeve, qui a quand même un jeu assez agressif, j'aimerais bien qu'elle ait des sorts que je puisse poser sur une brèche à plus 1. Là, à partir de la brèche 3, c'est des brèches plus 1 en dégâts. Ça serait assez intéressant. Alors, attention. C'est au tour de Malastar. Malastar, qu'est-ce qu'il va faire, Malastar? Alors, il a un bon sort, là. Mais alors, il a rien du tout pour... Il n'a pas de brèche sur lesquelles le poser. Puis il a ça, aussi. Le jardin pur. Alors, il peut l'utiliser, subir un dégât. Alors, il faut savoir que lui, dès qu'il prend du dégât, voilà, si vous subissez des dégâts, gagnez une charge. Donc, c'est intéressant quand même, quoi. Enfin, je veux dire, je peux utiliser ce mana, accepter de perdre une vie. Ça va charger, ça va me charger, ça va me faire du mana en plus. C'est pas forcément inintéressant. D'autant plus que je vais avoir besoin de pas mal de mana. Bon, après, j'en ai du mana, donc c'est pas vraiment le souci. Ouais. Ouais, non, mais j'en ai, c'est sûr. C'est sûr. 4. Ça me coûte 5. La première brèche que je peux ouvrir, elle coûte 5. L'autre, elle coûte très cher. Ok, bon. Je vais dépenser 2 cristaux pour détruire ce jade impur. Ensuite, je joue le topaz en remettant ce cristal au sommet de ma bibliothèque. Ça génère 4 cristaux. Pour 2 cristaux, je stabilise la brèche. Hop. Voilà. Donc elle tourne d'un quart. Et donc, du coup, je peux poser un sort dessus. Donc je vais poser la faux de désintégration. Et il reste encore 2 cristaux que je n'ai pas utilisés. Donc je vais prendre une pierre de jade. Voilà.
Voilà pour le tour donc de Malastar. 2, 3, 4, 5. Il y a du mana à profusion. Ok. Ensuite, what else? C'est au tour de Reeve. Alors Reeve, elle va balancer une étincelle sur celui-là. Hop, Seigneur du Fléau. Malheureusement, elle ne peut pas le tuer pour autant. Donc elle aussi, elle a une pierre de jade impure. Un joueur pioche deux cartes. Ça peut être elle-même. Elle peut reposer une étincelle. Ça ne mange pas de pain. Elle va le faire. Bon, merde, ce jade. Est-ce que je peux encore faire quelque chose si je... Détruisez cette carte. Un joueur gagne 2 vies. Donc là, pour l'instant, on n'en est pas là, nous. Un joueur pioche 2 cartes. C'est quand même intéressant. Donc je vais jouer ça. Subissez un dégât. Un joueur pioche 2 cartes. Donc je vais perdre une vie. Et je vais piocher 2 cartes. Voilà, donc une autre étincelle que je prépare. Éclat d'obsidienne. Ouais, j'ai quand même des petites choses ici. Là. Donc, pour 2 cristaux, je détruis ce jade impur. Ensuite, ça génère 2. Ça génère 1. J'ai pas envie de prendre de dégâts en plus, donc ça me fait 3. Et pour 3, je peux pas acheter grand chose. Pour 3. J'ai envie de laisser des agates à Malastar. Donc pour 3, je vais dépenser 2 pour mettre une charge. Et ça sera tout. Voilà. Hop. Alors, dans quel ordre je vais remettre ça? Elle en bas. Celle-là aussi. Et celle-là par-dessus. Voilà. Hop. 5 cartes. 2, 3, 4, 5. Ok. Turn order. La Némésis, naturellement. Donc, lui, le Seigneur du Fléau, fait se déchaîner le Seigneur de la Désolation. Donc, on va se retrouver avec un joueur qui va avoir un jade impur. Et j'ai bien fait d'en détruire, hein, parce que, voilà, il y en a quelques-uns ici, donc on n'est pas en danger immédiat, mais il faut quand même que je fasse drôlement attention. Donc on va donner ça par contre à qui? Allez, on va donner ça à Malastar, voilà, dans sa défausse. Donc deux bols pour lui. Et puis on pioche une nouvelle carte, c'est une créature, c'est un porte-venin. Porte-venin, ouais, une vraie saloperie. Effet durable, le joueur ayant le moins de vie subit 2 dégâts. Un joueur défausse un sort préparé coûtant 3 cristaux ou plus. Donc c'est un machin qui est assez casse-couille et qui peut avoir vite fait de nous affaiblir et de nous faire perdre beaucoup de points de vie. Donc c'est vraiment pas classe, ça, hein. Alors, la suite. Ah, punaise, la Némésis qui rejoue aussitôt après, ça c'est pas une bonne nouvelle. Donc, le Seigneur du Fléau va déchaîner la Némésis. Du coup, on va se retaper un jade impur. Alors, qui va le prendre? Bah, allez, ça va être Reeve, hein. On va un petit peu... voilà. Hein, on va répartir. Il n'en reste que 3 dans la réserve. Donc, évidemment, c'est un petit peu flippant. Ensuite, le porte-venin. Alors... le joueur ayant le moins de vie subit 2 dégâts. Donc ça, c'est Reeve, puisqu'elle a 8 points de vie. Ou un joueur défausse un sort préparé coûtant 3 ou plus. Alors ça fait un peu chier quand même. Bon bah tant pis, hein. Elle va prendre 2 dégâts, en espérant pouvoir à un moment donné se soigner un peu. Voilà, donc elle prend 2 blessures, elle n'est plus qu'à 6 points de vie. Et en plus, on pioche bien sûr une nouvelle carte. C'est un piédestal de la mort, c'est une carte du Seigneur de la Désolation.
Piédestal de la mort avec une puissance 2. Pour défausser, il faut dépenser 8 cristaux. Et si ça s'accomplit, on avance de 2 cases sur la piste de corruption. Wow, 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 ça fait mal. Et il n'y a que 2 puissances pour réussir à récupérer 8 cristaux. On le voit ici, c'est un événement de niveau 2. C'est pour ça, en fait. C'est-à-dire que le jeu part du principe que vous avez progressé, vous avez acheté des cristaux plus puissants. Et donc, bah forcément, voilà quoi. Donc forcément, on va s'en prendre plein la gueule. Et ils estiment qu'on a une plus grande capacité à gérer, donc voilà. C'est Reeve qui va jouer. Alors, on va pas se poser de questions pour notre mage de la brèche d'élite. Elle va utiliser ses 2 étincelles pour tuer le seigneur du fléau. Voilà. Bon débarras. Ça en fait un de moins. Ensuite, elle a en main les petites choses suivantes. Donc, il y a 2 brèches ouvertes. Elle peut mettre un vol d'essence. Infliger 3 dégâts. Vous pouvez défausser une carte de votre main. Si vous le faites, un joueur gagne une vie. Donc ça, c'est bien. C'est ce qui va lui permettre de récupérer un petit peu de santé. Elle va mettre une étincelle également en préparation. Ensuite, en fait, c'est très simple après. Hein. C'est une simple agate. Ça fait 2, 3, 4 cristaux. Elle ne peut pas faire plus. Donc, la question que je me pose quand même, c'est est-ce qu'elle acquiert une carte? Est-ce qu'elle... Est-ce qu'elle, pour 4, elle peut également beaucoup avancer ici, hein, parce que ça perd l'air de rien, son attaque, elle est puissante. Est-ce que je ne cherche pas à stabiliser une brèche? Enfin, bref, je ne sais pas trop quoi faire de tout cet argent-là. Je pense que je vais reprendre une dynamo de vigueur que je détruirai pour regagner de la vie, parce que l'air de rien, on a un petit peu morflé. Je vais remettre l'agate sangsue en dessous. Voilà. Ensuite, elle a une carte à piocher, c'est un cristal. On retourne sa pioche. 1, 2, 3, 4, 5. Tiens, voilà une dynamo. Ça, c'est bien. Elle va pouvoir récupérer un peu de vie parce que elle a un peu morflé, en fait. Hein. Voilà pour elle. Ensuite, ça va être le tour de Malastar et ça mettra un terme à ce tour. 2, 4, 5, 6, 7. C'est quand même pas de bol. C'est quand même pas de bol. 7, et il faut 8 pour défausser ce piédestal de la mort. Il lui manque un cristal. Une saloperie de cristal. C'est quand même dingue, ça. C'est quand même dingue. Comment faire pas pour ce que ça lui a servi. Bon, je peux lancer des sorts dans un premier temps. Je peux lancer la faux de désintégration qui fait 8 dégâts. Et quand on fait ça, on subit un dégât. Voilà. Plutôt que de défausser cette carte, soit on la détruit carrément, soit on la place sur la défausse d'un joueur. C'est pas forcément marqué d'un autre joueur. Hein. C'est on la déplace sur la défausse d'un joueur. Ça peut être lui-même, hein, bien sûr. Disons que tout dépend qui est prêt à subir des dégâts. Bah là, le combo avec l'immolation est assez intéressant, mais finalement, je suis un petit peu déçu de. Ouais. Alors, bon, on va lancer les 8 dégâts. Évidemment, je serais assez tenté d'exploser le porte-venin, et je pense que c'est ce que je vais faire. On va faire 8 blessures sur le porte-venin. Ce qui fait qu'en fait, celui-là n'est plus qu'à une vie. C'est quand même une grosse attaque. Alors j'hésite parce que lui là-bas, ça le ferait passer d'un coup à 57. Ça serait quand même assez intéressant. Mais il est dangereux ce porte-venin. À terme, il peut vraiment détruire nos joueurs. Donc c'est pas cool. Donc ce sort-là est joué et je décide de ne pas le détruire. Je décide de le placer sur la défausse d'un joueur. Donc il se le place sur sa défausse à lui. Comme il a pris des dégâts, il prend une charge. Voilà, hop. Et tant pis, je remettrai cette immolation, je pense. Je lance le sort d'immolation à plus 1 dégâts. Et je mets le coup final au porte-venin. Je préfère me débarrasser de cette engeance que
que je trouve un tantinet dangereuse. Voilà. Donc lui, il dégage. Du coup, mon immolation a été utilisée. Il faudra que je la remette en place pour bien faire. Voilà. Ce sort, j'étais obligé de le jouer, hein, puisque j'avais ouvert une brèche. J'avais stabilisé, pardon, une brèche. Donc j'avais le droit de jouer un sort, mais j'étais obligé de le jouer après. 2, 4, 5, 6, 7. C'est pas mal, hein, 7. 7, ça me permet, par exemple, d'acheter une autre faux de désintégration. Qu'est-ce que je peux faire également? Gagner une charge. Je vais prendre ça. Un marteau en fusion. Et je vais acheter une pierre de jade. Non. Pour 2, je vais mettre une charge. Ici. Voilà. Hop. On en est rendu à 4 charges. Voilà. Je défausse tout ça. Je vais mettre mon agate sangsue au fond. Est-ce que je mets les deux ou est-ce que je répartis? C'est la question que je me pose. Je vais répartir un petit peu le cristal au lieu de le concentrer. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pile de quoi faire une main. C'est encore beaucoup de mana. Combien? 3, 4, 5, 6. Je peux toujours pas virer le piédestal de la mort. Donc c'est un peu dur de ce point de vue-là. Ok. Le tour de jeu est terminé. Voilà. Turn order, terminé. Oula, j'ai tombé les cartes. Alors, hop. Enchaîner. Donc avec le tour suivant, on ne voit pas les tours passer hein, dans ce jeu. C'est, il faut dire ce qui est. Prenons le temps quand même de dire une chose, c'est que ce jeu est une merveille de game design. Voilà. Les gens qui ont conçu ce jeu, en l'occurrence le gars, parce qu'apparemment c'est Kevin Riley qui a fait ce jeu, gros big up pour lui, parce que franchement, je sais pas, il y a quelque chose dans ce jeu, le fait que chaque Némésis soit différente, la manière dont le jeu est fluide, la différenciation du turn order d'un tour sur l'autre, la manière dont les choses se passent, la façon de poser des sorts sur les brèches, c'est tellement malin tout ça. C'est un jeu qui est quand même remarquable, Ion's End. Franchement, hein, c'est une vraie évolution du deck building et avec une réussite totale, hein, véritablement. C'est un vrai plaisir. On va refaire un tour complet, ce qui nous permettra de terminer en fait un premier épisode. Voilà. Ça nous mènera à la fin d'un premier épisode. C'est chaud hein, pour l'instant parce que le seigneur de la désolation n'a perdu que 5 points de vie, ce qui est peu. On résiste pour l'instant, on résiste pas trop mal, parce qu'il faut pas oublier que si on venait à bout de son deck là-bas, il perdrait. Hein. Donc c'est quand même intéressant. Mais plus on avance, plus ça va être dangereux. Hein. Alors ça va être au tour de Malastar de jouer. Il n'a aucun sort de préparer ici. Donc ça c'est pas cool. Et on le sait, il a 2, 3, 4, 5, 6 points de 6 cristaux. Donc ça, c'est pas cool non plus. 6 cristaux. 6 cristaux. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Donc il joue ses 6 cristaux. Et il va faire quoi? 6 cristaux. Ouais, je pense qu'il va racheter un autre marteau. Il va acheter un marteau en fusion pour 5. Voilà ce qu'il va faire. Et puis ça sera tout. On va mettre la pierre de jade en bas. Voilà. Alors il n'a plus la moindre carte dans la pioche. Hein, donc on est obligé de prendre toute sa défausse, de la retourner complètement et de prendre les 5 cartes du dessus. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, le jardin pur. Peut-être l'occasion, surtout que j'ai pas mal de cristaux à côté de ça, ça va être l'occasion de s'en débarrasser, je pense. Alors, turn order. Le turn order nous dit que c'est au tour de Reeve. Alors Reeve, elle peut infliger 3 dégâts, elle peut défausser une carte de sa main, et si elle fait, un joueur gagne une vie. Donc ça, c'est vachement intéressant.
De toute façon, 2, 3, 4, 5, elle n'a pas ce qu'il faut pour se débarrasser du saloperie de piédestal de la mort. Donc ça, c'est clair. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'elle va utiliser son vol d'essence. Voilà. Je vous laisse admirer l'illustration. 3 dégâts. Donc ça, c'est une bonne chose. Hop là. Il prend 3 dégâts. C'est très bien. Je vais défausser une carte. Vous pouvez défausser une carte de votre main. Si vous le faites, un joueur gagne un point de vie. Donc je défausse un cristal. Et du coup, elle va récupérer un point de vie et remonter à 7. C'est bien hein, de pouvoir regagner des vies comme ça. Elle va également lancer son sort d'étincelle et enlever encore une vie à ce petit gaillard-là. Ensuite, elle va briser sa dynamo de vigueur. Et ainsi, un joueur gagne 2 vies et une charge. Donc c'est elle qui gagne 2 vies, ainsi qu'une charge. Voilà, donc je le brise par contre. Hein. Donc ça veut dire que c'est un achat. Bon, c'est un achat qui est compliqué parce qu'en même temps, on perd définitivement l'usage de ce truc-là. Hein. Enfin, 2 vies plus une charge, c'est précieux dans ce jeu, hein, de regagner de la vie. Donc elle est revenue à 9, ce qui est vraiment très très bien. Très 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 bien. Ensuite, 2, 3, 4 cristaux. Pour 4 cristaux, elle va acheter un premier flambé. J'aimerais bien, ça correspond bien à sa fureur, je trouve. Et je trouve que ça lui va comme un gant. Voilà, donc lorsque vous gagnez cette carte, vous pouvez la placer sur la défausse de n'importe quel joueur. D'accord? Et quand on la lance, on inflige 2 dégâts. Et on inflige un dégât supplémentaire par flambée que vous avez lancé ce tour, ou par autre flambée préparée sur vos brèches. Donc vraiment, l'objectif est d'avoir du flambé partout, pour en quelque sorte foutre le feu un peu partout. Donc c'est elle, hein, bien sûr, qui prend ce sort, ce flambé. Voilà, et elle a terminé son tour. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Voilà, donc ça c'est bien, elle a de nouveau une dynamo de vigueur. Là, d'obsidienne, des étincelles, c'est pas des sorts extraordinaires. Subissez un dégât, un joueur pioche 2 cartes. Faudra peut-être l'envisager, ça peut être extrêmement intéressant. Surtout si je veux me débarrasser de ça. Ok, Turn Order. C'est de nouveau Reeve qui joue. Ah, donc peut-être que. Peut-être envisager. Ouais, elle va faire le dynamo de vigueur, mais cette fois elle ne va pas la détruire. Elle va subir un dégât, qu'elle perd une vie. Et elle va désigner un joueur pour qu'il pioche 2 cartes. Et ce joueur, ça va être Malastar. Il va piocher un jade impur et une faux de désintégration. 2 cartes. Ensuite, elle va poser 2 obsidiennes sur ses brèches. Voilà. Ensuite, oh, elle a un jade impur. J'avais pas vu ça. Ah ouais, ça c'est chaud patate ça. Ouais, elle peut s'en servir et perdre un point de vie. Mais c'est pas cool. J'ai également un éclat d'obsidienne. Si je perds une vie, si je subis un dégât, je fais 2 cristaux de plus. C'est ce que je vais faire. Donc elle perd encore une vie. Elle génère 2 cristaux de plus, donc ça lui fait 3 cristaux. Et pour 2, elle détruit ce jade impur qu'elle remet là-bas. Donc ça, c'est bien. Ni la dynamo, évidemment, ni l'éclat n'ont été détruits, eux, donc ils reviennent là. Par contre, elle est retombée de nouveau à 7 points de vie, mais ça va, c'est plus ou moins sous contrôle, on va dire. Et voilà comment se termine son tour. Elle a 3 cartes en main. C'est des gemmes. Et on va aller prendre ça, des fausses. 3, 4, 5. Elle récupère un vol d'essence et une étincelle. Fort bien. Ok, alors là, j'aimerais bien. Ah, si. Là, le turn order va être déterminant, parce que si j'ai 2 fois la Némésis, le piédestal de la mort va forcément se déclencher.
Sinon, je pense qu'avec l'aide qu'elle a apportée à Malastar en lui faisant piocher deux cartes, il y aurait peut-être une éventualité qu'il arrive à défausser le piédestal de la mort. Et c'est la Némésis. Donc on enlève une puissance ici, ce qui est évidemment pas une bonne nouvelle, et on pioche une carte. Dissiper. Déchaîner deux fois. Le joueur ayant le plus grand nombre de sorts préparés défausse son sort préparé le plus cher. Ça va. Ça, c'est pas trop pourrave, parce que le joueur ayant le plus de sorts préparés, c'est Reeve, et ce ne sont que des étincelles. Donc ce n'est pas, on va dire, une grosse perte, hein, c'est juste un point de dégâts. Par contre, il déchaîne deux fois. Heureusement que j'ai éliminé ces derniers tours quelques jades impurs, parce que vous voyez que là, déchaîner deux fois, ça veut dire deux jades, donc un chacun dans la défausse. Voilà. Et il n'en reste que deux ici. Vous voyez que ça commence, les taux se resserrent. Et voilà, ça fait mal. Là, maintenant, ça va être très déterminant parce que, en fait, tout dépend de ce qui va sortir ici du turn order. Bon, c'est le joueur 2. Oh, punaise. Voilà, c'est ça les émotions que procure ce jeu. Parce que finalement, dans un autre jeu, on saurait déjà quel est le turn order et ça changerait tout. Et oui, parce que le tour de jeu serait fixe. Alors que là, le hasard du tirage du tour fait que le piédestal de la mort aurait pu se déclencher et on aurait alors avancé de 2 sur la piste de corruption, ce qui aurait été assez catastrophique, je dois dire. On va placer la faute des intégrations de Malastar sur la brèche ouverte à plus 1. Ensuite, bah, il a pas mal de trucs. Mais le problème, c'est qu'il a deux jades impurs. Donc il va falloir qu'il accepte de perdre des vies, je pense. Combien il peut produire? Il faut arriver à 8. Hein. Vous pouvez placer une carte de votre main sur votre pioche. Et en fait, c'est ça que je vais faire. Je vais faire le topaz de bannissement. Et je vais un petit peu temporiser avec mon jade impur. C'est-à-dire que je vais le mettre ici, en haut de ma pioche. Ce qui fait que lui, il génère 4. 4 et de 6. 6 et 2. 8. Voilà. Et celui-ci, je ne vais pas pouvoir m'en débarrasser. Parce qu'il me faut les 8. Donc je vais faire 8 et 2, 10. Et pour faire ça, il est obligé de perdre une vie. Parce qu'il se sert du jade impur pour générer du cristal. Donc forcément, ça, c'est quelque chose qui se paye cash. C'est quelque chose qui se paye cash. Donc il perd une vie. Et il génère 2. Donc en fait, il a 10 cristaux entre les mains. Pour 8 cristaux, il détruit le piédestal de la mort. Fort heureusement, j'ai envie de dire. Parce que les deux cases sur la piste, j'avais vraiment pas envie de les faire. Et il lui reste même 2. Il lui reste même 2, en fait. Et ces 2-là, il va s'en servir pour placer une charge. Voilà. Et là, il a terminé son tour. On va remettre, je pense, le jade impur tout en bas, parce que j'aimerais bien m'en débarrasser assez rapidement quand même. Parce que là, c'est un petit peu dangereux, je joue un peu avec le feu, là. 1, 2, 3, 4, 5 cartes pour sa prochaine main. Il a un marteau en fusion, ça c'est bien, ça c'est super même. Il peut détruire une carte de la main ou du dessus de la défausse de n'importe quel joueur, c'est vachement bien aussi. L'immolation, c'est pas mal tout ça. Bref, il a réussi, in extremis, à enlever le piédestal. Bien joué. La Némésis n'a donc aucune carte à jouer, on pioche une. C'est une créature, c'est un cautériseur. Une créature qui a 3 vies. Lorsque ce serviteur subit des dégâts, ils sont réduits à 1. Donc il vaut mieux utiliser des étincelles contre lui. Effet durable, un joueur subit autant de dégâts que la vie actuelle de ce serviteur. Donc ça, c'est son effet durable. Il a 3 vies. Donc, il ne va pas falloir le laisser en vie trop longtemps, celui-là, parce qu'il va nous faire vite chier. Voilà. Mais les étincelles sont parfaites sur un bazar comme lui. Ce qui serait vraiment du gâchis, ça serait d'utiliser, par exemple, une faute désintégration sur un cautériseur, puisqu'il ne prendrait que 1 dégât, alors que lui, placé sur cette brèche-là, en fait 9. Donc là, effectivement, ce serait catastrophique. Voilà, on a terminé ce tour. La partie, donc, est en cours de route. C'est dur, hein, pour l'instant. Voilà, on essuie les assauts du seigneur de la désolation. Il a 61 points de vie sur 70, donc je dirais qu'on a
presque seulement réussi à l'égratigner pour l'instant, donc c'est quand même assez chaud, assez costaud. La partie est intéressante parce qu'il y a des dynamiques qui sont intéressantes. On essaye de jouer notamment avec les réserves de points de vie de nos héros, parce que le jardin pur, on peut l'utiliser en source de mana, mais c'est risqué. Reeve utilise des capacités qui lui bouffent des points de vie, mais elle a des trucs pour lui en remettre. Enfin, c'est chaud, quoi. Il y a une bonne dynamique entre les dynamos de vigueur, les choses qui nous bouffent des points de vie, le fait que lui, en prenant des dégâts, il monte en charge, etc. Du moins, s'il a son immolation qui est en place. Enfin, il y a pas mal d'effets qui se combattent et qui font tout simplement un jeu passionnant, hein, comme d'habitude. Hein. Je ne suis pas déçu, ni par cette nouvelle Némésis, ni par ces nouveaux personnages qui sont vraiment très intéressants. Voilà. Donc c'est la fin de ce premier épisode. On se retrouve donc bientôt pour la suite. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.